I believe I can fly. Jamais il n'a été aussi facile de réaliser le rêve d'Icar, voler. Le paramoteur est non seulement l'aéronef le plus sûr, mais aussi le moins cher. Et en plus, il tient dans un coffre de voiture. Lorsque moi j'avais 20 ans, je me disais, mais un jour je volerai. Mais il fallait aller en montagne, il fallait loin, et on a toujours peur que ça coûte très cher, quoi. Depuis qu'il y a cette structure-là, c'est du bonheur à l'état pur, quoi. C'est vrai que c'est facile, on vole partout, c'est du bonheur. Atlantique Paramoteur, c'est 230 adhérents avec des pilotes âgés de 15 à 76 ans qui se font tout simplement plaisir en évoluant tranquillement dans les airs. C'est une machine, un aéronef qui vole à 50 km/h et lorsque l'on atterrit, on est à 20 km/h. Alors bon, à 20 km/h, ça va pas vite, hein. Donc c'est vraiment l'aéronef le plus sûr. Et c'est également l'aéronef le moins cher. Hein, pour commencer, une machine avec une voile, c'est du 4000 euros. Quoi. Thierry vient du Finistère Nord pour passer son brevet ici, car le club est très réputé. Son rêve aujourd'hui est en train de devenir réalité. Oui, c'est un rêve. Depuis longtemps, je les vois voler au-dessus de chez moi et j'ai toujours rêvé de faire pareil. Quoi. Si vous avez un très grand jardin ou un champ, vous décollerez de chez vous. Vous aurez plus de 3 heures d'autonomie pour, par exemple, rallier Saint-Georges-de-Montaigu à l'océan, longer le littoral et revenir. La limite du paramoteur, c'est la pluie et le vent. Au-dessus de 20 km à l'heure, on ne vole plus. Les adhérents du club forment ici une grande famille. Ils volent et voyagent souvent ensemble. Le mois dernier, ils sont partis en Espagne, il y a 15 jours au Mont-Saint-Michel. En octobre prochain, ils partiront pour les États-Unis.